De la Grèce antique nous sont venues diverses lumières, des éclairages critiques et contrastés, des éclairs de pensée qui valent pour nous comme autant de semences et d'occasions d'éveil. À nous de les explorer, de les méditer et de les prolonger. Êtes-vous prêts? Bonjour à tous, je commence par me présenter. Je m'appelle Jean-Marc Narbonne, je suis professeur de philosophie ancienne à l'Université Laval à Québec et je suis également titulaire d'une chaire dont le nom est ACME, ce qui signifie, c'est un acronyme pour Antiquité critique et modernité émergente, une chaire de recherche du Canada. Et le thème d'ensemble de la chaire, c'est de développer et de mettre en évidence les liens entre la pensée grecque, la pensée critique grecque, le caractère critique de la pensée grecque et la modernité. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tradition critique pour la Grèce? Pourquoi est-ce qu'on mentionne ça? Eh bien, parce que c'est une tradition liée au débat démocratique, une tradition où le débat a cours. Et le débat se déploie dans la sphère publique, que ça concerne les institutions politiques, mais aussi la culture, les arts, etc. Il y avait en Grèce des concours et des joutes pour tout. Pour les œuvres d'art, pour les performances musicales, pour les débats oratoires. C'est une culture qu'on appelle de l'agone, agone, c'est-à-dire une culture de la concurrence et de la compétition des points de vue. Et ça, cette atmosphère de joute et de jeu aussi, hein, de jeu et de joute, crée, on pourrait dire, un esprit alerte, un esprit éveillé, et la question qui compte, ce n'est pas qui a dit quoi, mais quel est le bon argument. Et cette tradition de la culture du bon argument a mené peu à peu à cette culture ouverte, l'open society, hein, la première open society peut-être de l'histoire, c'est la Grèce. On pourrait dire que c'est la première société ouverte, de la même manière qu'on dit que c'est peut-être la première civilisation ouverte. Éclairé en ce sens-là, en tout cas. Éclairé en ce sens-là. Et donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'une tradition du rapport critique à la tradition. Mais une tradition où on interroge la tradition, c'est une forme de tradition aussi. Tant et si bien qu'il y a un rapport de compétition, de concurrence des points de vue qui envahit tout l'espace public et toutes les facettes de la civilisation. Jamais les Européens, livrés à leur propre lumière, n'auraient pu faire des progrès sensibles dans la civilisation. Et les Romains eux-mêmes n'en auraient pu faire s'ils n'avaient eu assez de bon sens pour aller chercher les lois d'Athènes. La liberté, vous savez, ça a toutes sortes de significations. C'est la liberté individuelle, d'une part, pouvoir faire ce que l'on veut, mener sa vie comme on veut, ça c'est une chose. Il y a la liberté politique, pouvoir s'engager dans la vie politique et jouer un rôle intéressant pour la communauté. Il y a aussi la liberté de la cité. La cité doit être libre,
par rapport aux autres cités, ça, la crainte de subir la tyrannie, hein, c'est quelque chose qui est redondant et très très présent dans la pensée grecque des 6e et 5e siècles. Donc cette question de ne pas être sous la tutelle d'une autre cité. Et puis aussi la liberté, ben, c'est la liberté de se livrer, comme dira Aristote par exemple, à la scolée, qui a donné le nom école, scolée, c'est-à-dire à l'activité studieuse et libre. Faire de la musique, de la littérature, s'intéresser aux arts, à la science, etc. De belles activités libres, eh bien ça aussi c'est quelque chose qui a été développé dans cette culture et c'est ça qu'on veut examiner et regarder comment cette tradition libre, de réflexion libre, a joué un rôle dans la formation de notre propre civilisation et comment on doit garder cela vivant. Maintenant pour nous. C'est surtout ça l'important. C'est pas seulement que ça a eu une influence dans l'histoire, mais c'est aussi quelque chose qu'on veut préserver et qu'on voudrait développer davantage. La tradition grecque est l'inspiratrice majeure de la culture occidentale qui est la nôtre aujourd'hui. Je pense à l'idée de liberté, à la découverte de la démocratie et au tour d'esprit critique, rationnel, qui a fini par déboucher sur les sciences modernes de la nature. Les Lumières grecques. Pourquoi cette série sur les Lumières grecques? Eh bien, la raison première, c'est de faire voir, discuter, montrer l'intérêt d'un dialogue riche et ouvert avec notre socle, avec le point de départ de notre culture et avec certains thèmes centraux pour nous. Et dans la situation politique actuelle, avec tous les ennuis que nous connaissons, les problèmes politiques que nous connaissons, réaffirmer notre lien à cette tradition démocratique très ancienne, par-delà différentes traditions religieuses, est extrêmement important. C'est comme si on pouvait aller retrouver, au fond, l'axe premier, le point central d'où nous sommes venus et ce qui nous a alimentés. Au fond, toute l'histoire de la tradition occidentale est une série de renaissances et de bouleversements. Et nous trouvons finalement notre équilibre dans ce bouleversement perpétuel, parce qu'en fait, c'est le mouvement de la vie telle qu'elle devrait être. Eh bien, ce bouleversement, il était déjà en place en Grèce ancienne, et donc on voit une continuité du point de vue de la mentalité. Du questionnement, de la neutralité scientifique et culturelle, de la neutralité dans le jugement, de maints autres aspects encore. Tout ça, ce sont des idéaux que nous voyons déjà actualisés en Grèce ancienne et que nous pouvons reprendre, nous réapproprier et développer encore davantage. Il y a des points d'ombre dans l'Antiquité, mais il y a beaucoup de lumière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre sur la sellette ces points lumineux qui peuvent nous aider à aller plus loin. Donc, encore une fois, nous prenons les lumières grecques pas comme un modèle parfait, pas comme un paradigme, mais comme une semence. Parere to pepe, paribore pepero po po pero po pete. Pra pa 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 pri pute pe pa pa pri pute.